Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire un haul. Et j'ai tenté de rendre ce haul un petit peu plus intéressant qu'un simple haul où je vous montre ce que je viens d'acheter dans l'immédiat. Puisque là, en fait, j'ai eu le temps de tester quelques produits, etc. Même si c'est qu'une seule fois, je pourrais vous donner déjà mes premières impressions sur les produits. Et du coup, c'est parti. Je pense que c'est déjà un peu mieux comme ça. Donc j'ai très envie de commencer par les vêtements, donc c'est ce qu'on va faire. Donc en premier chez Jennifer, j'ai acheté ça, je pense que je vais vous montrer de loin après, mais donc j'ai acheté un jean avec un trou comme ça sur le côté droit. Et en fait ça faisait longtemps que je voulais un jean bleu jean, en fait j'en avais pas. Il est taille haute aussi, ça c'est important. Et ouais, franchement il est bien slim et tout, bon moi c'est encore un peu grand, je trouverai jamais de pantalon à ma taille de toute façon. Ensuite, alors ça c'est mon bébé du moment, c'est un petit body comme ça. Donc alors, déjà j'adore la couleur, c'est pas un bordeaux, c'est un prune. C'est vrai qu'en ce moment je prends beaucoup de prunes, je sais pas pourquoi, mais il a un petit col comme ça, mais genre juste sublime. En plus c'est un col de qualité, il est bien épais et tout. Et vous avez du coup des manches un peu trois quarts, etc. Donc ça c'est bien, ça peut faire un peu plus de saison que si c'était manche courte. Et ensuite là par contre, gros coup de cœur, mais vraiment oh my god. Je pense que vous avez déjà vu des gens porter des vestes comme ça. J'ai acheté une doudoune chez Jennifer, bleue comme ça. Donc en fait c'est une doudoune courte, je vais l'essayer pour vous montrer. Bon, j'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple de couleur avec un t-shirt rouge, mais en tout cas vous avez vu à quoi ça ressemblait. Et j'ai vu personne qui l'a dans cette couleur, du coup ben, je suis plutôt fière de mon choix, de mon achat. Et elle tient super chaud, enfin ça après c'est de la qualité et tout, c'est... Je suis trop contente. Du coup chez New Yorker, je me suis acheté cette ceinture. Mais enfin sinon voilà, c'est une ceinture genre hyper simple, noire. Je viens de me rendre compte que ma coupe de cheveux, c'était n'importe quoi. Il me reste 15 minutes de tournage là. Allez Lise, on y va. Donc j'ai bien envie de continuer avec du Amazon, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai commandé sur Amazon récemment des petites choses pour moi. C'est une géante palette déjà, regardez, elle ressemble à ça. Tellement envie de vous swatcher tous les fois. Ça rend pas pareil à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai c'est hyper flashy. Mais enfin les couleurs sont juste mais sublimes, j'ai rien swatché encore. Je pense que je vais vous faire toute une vidéo sur cette palette, donc je vais la garder très précieusement dans un coin. La 35E Glam Shimmer Eyeshadow qui ressemble à cela du coup. Ensuite sur Amazon, j'ai commandé des pinceaux pour aller avec. Alors mes pinceaux les gars, je ne les ai toujours pas lavés depuis Halloween. C'est juste que les pinceaux sont souples en fait, les poils des pinceaux sont souples et tout, du coup c'est bien. Après c'est des pinceaux quoi, enfin voilà. Alors là, gros flop. Et en fait on m'avait offert à mon anniversaire une petite licorne comme ça, une petite veilleuse licorne très très chou. Si ça lui plaît. Et j'en avais commandé une pour offrir à une amie. Voilà dans quel état je l'ai reçue. Si vous voulez acheter des cadeaux sur Amazon, prenez garde. Le seul truc que je valide dans ce cadeau du coup, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait de sur-emballage. C'est normal que ce soit arrivé dans cet état-là. On ne va pas parler de nourriture, on va parler de soins pour les cheveux. Donc j'ai acheté un shampoing Dop à l'œuf. Mais du coup je peux pas vraiment vous donner mon avis sur les shampoings parce que mes cheveux n'absorbent plus rien. Ils sont ultra abîmés, j'ai beau mettre tout ce que je veux dessus, tous les soins du monde, même le meilleur soin du monde qui coûte 500 000 euros, il marchera pas sur mes cheveux. Voilà, ça lave, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ensuite j'ai testé le Airfood Banana Fruit Cheese truc machin. Et alors ce truc, alors les gars, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça sent mais trop bon. Bon je suis désolée, ça vide le lave-vaisselle en bas, du coup je vais essayer de parler plus fort. J'espère que les bruits vous dérangeront pas, sinon je suis désolée, mais je peux pas tourner cette vidéo après, là je suis trop dans le rush. Oui du coup j'ai testé ce petit truc alors qui est vraiment génial dans le sens où il est 98% d'origine naturelle, vegan, 98% biodégradable. Il est multi-usage, donc en fait vous pouvez l'utiliser en masque, vous le laissez poser 3 minutes, vous rincez. En soin démêlant, donc vous l'appliquez, vous démêlez. Et en soin sans rinçage, donc pour la journée etc, bah, c'est ce que mon ami m'a conseillé de faire. Chez Claire's, je me suis acheté ces petites choses qui sont des créoles en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis exactement la même taille. Mais enfin c'est pour vous montrer donc les différentes tailles. Celle-là, elle est les plus petites et celle-là, c'est les plus grandes. Et ensuite du coup on passe à Sephora. Devinez ce que j'ai acheté chez Sephora. Un rouge violette sans transfert. Et j'ai trop envie de le swatcher maintenant. J'aurais dû le faire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc je me suis acheté un rouge velouté sans transfert de chez Sephora Finimat, encore une fois. Et celui-là, il est violet pop. Je voulais un fard assez coloré, etc. Donc on va le swatcher dès maintenant. Je l'ai swatché en magasin quand même, mais j'ai envie de vous le montrer. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté
le Golden Mask. Et pour finir, chez Sephora, ils m'ont donné des petits échantillons de lingettes démaquillantes à la coco que j'ai très envie de sentir. Donc on va faire ça maintenant. En fait, ça sent pas du tout la coco, ça pue. Ça me dégoûte. Oh, j'ai envie de vomir. Ah, c'est horrible. Pourquoi j'ai senti ça? Le liquide mat a déjà bien séché et voilà ce que ça donne. Je trouve ça absolument somptueux. Bref, sur ce, je... C'est quoi mon outro déjà? Je ne sais plus. Je vous fais comme d'habitude... Non, c'est pas ça. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis... Oui, c'est ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.